Le chef des bénévoles ne porte pas d'uniforme et n'intervient pas en ambulance, mais en pick-up flambant neuf. Les histoires de tirs et de bagarres, ça existe vraiment, non? Oui, il y en a, bien sûr. Je sais pas si c'est bien d'en parler. Appel à tous les urgentistes. Intervention en zone 7. Bangkok, 1h du matin. Une voiture vient de percuter un scooter. Vanankura est ambulancier. Il fonce sur les lieux de l'accident. À quelques kilomètres de là, une ambulance concurrente a reçu la même information. La course peut commencer. Vanankura a une voiture plus rapide et prend plus de risques. Pour arriver plus vite, il n'hésite pas à rouler à contresens. Direction le pont Nonburi, position 2-4. À l'approche de l'accident, la route est bloquée. Pas question d'abandonner. La course se termine sur un scooter. Allez, monte! Vanankura et son équipe arrivent les premiers. Prévenus en direct, les concurrents préfèrent décrocher. Il y a déjà quelqu'un sur place. Le blessé est pris en charge. On annule? Oui, on arrête tout. Sur les lieux de l'accident, un motard gît au sol, inconscient. Avec son équipe, Vanankura a mis seulement 6 minutes pour arriver sur place. Un chrono record, indispensable pour être le premier à soigner le blessé, car dans la capitale thaïlandaise, sauver des vies est un vrai business, un business macabre. Bangkok, 10 millions d'habitants. Une ville tentaculaire, un trafic infernal et un nombre d'accidents de la route impressionnant. Un mort toutes les heures et des dizaines de blessés. Ici, faute de moyens, il n'existe pas ou peu de SAMU public. Ce sont des fondations privées qui font office de Saint-Bernard du Macadam. Les deux plus importantes sont Ruam Kathanyu et surtout Potektung, une institution centenaire. Rattachées à des temples bouddhistes, ces organisations caritatives sont vénérées par les habitants qui viennent y prier et déposer des offrandes. On vient ici pour être béni. On espère aussi que toute notre famille sera protégée des accidents pour la prochaine génération. Pour la fondation, l'équation est simple. Plus ces ambulances sauvent de vie, plus elle acquiert de prestige. Un prestige qui rapporte gros. Le plus souvent, les prières sont suivies de dons, de préférence en espèces. Les gens viennent ici pour faire leurs dons à notre fondation pour que nous aidions les autres. On dirait une banque? Oui. Mais c'est une banque? Non, non. Nous sommes juste une fondation. Et combien d'argent vous récoltez par an? Oh, je ne connais pas les chiffres annuels, mais le département des finances vous le dira. Le département des finances refusera de nous parler. Mais les deux principales fondations récolteraient chacune entre 500 000 et 3 millions d'euros par an, une somme colossale en Thaïlande. Où va exactement l'argent? Impossible à dire. Retour avec Vanankura l'ambulancier. Au revoir, à bientôt. Photographe le jour, il travaille depuis 11 ans, plusieurs nuits par semaine pour sa fondation. Ma formation de secouriste me permet d'aider mes proches en cas de besoin. Je suis fier de ça. Fier aussi de son ambulance customisée. Ça, c'est ma propre voiture. Je l'ai achetée avec mon argent. Je peux la décorer comme je veux avec des autocollants. Là, c'est le logo de ma fondation. La sirène, elle est d'occasion. Elle vient des États-Unis. À l'intérieur, défibrillateur, minerve et brancard. L'équipement du parfait bon samaritain. Vanankura est bénévole, comme la majorité des ambulanciers de son organisation. Leur camp de base ce soir, une station-service. D'ici, ils attendent la première intervention. Il vient de changer de moteur, c'est un bad boy. Lui, il se moque souvent de ma sirène, parce que la sienne fait plus de bruit. Il la ramène. Minuit et demi, première alerte. Vanankura et ses copains partent en trombe. Un motard vient d'être renversé. Sur place, la concurrence est déjà là. Cet ambulancier en noir de dos appartient à une autre fondation. Mais c'est Vanankura et son équipe, plus nombreux, qui s'imposent pour donner les premiers soins. Et si lui la bouche? Fais voir de l'autre côté là, à droite. Cette nuit encore à Bangkok, la loi du plus fort a régné. La bande de Vanankura embarque la victime vers un hôpital.
Quand on est arrivé, ceux de l'autre fondation étaient déjà là. Ils étaient énervés de nous voir. Ils ont cherché des histoires ? Non, on était plus nombreux. Cette fois-ci, sur le terrain, la concurrence entre fondations s'est déroulée sans accroc. Mais parfois, elle dégénère et s'apparente à une guerre des gants. Une info incroyable. Avant ces conflits armés entre fondations n'étaient que des rumeurs. Ce soir, on a un fait avéré. Décembre dernier, deux bandes d'ambulanciers arrivées en même temps sur les lieux d'un accident règlent leurs comptes, armes au poing. L'agresseur présumé, un responsable d'une petite organisation caritative, sera arrêté puis relaxé par la justice. Le mythe des secouristes bouddhistes désintéressés vole en éclats. Alignez-vous comme il faut. Toi, viens au premier rang. Garde à vous. Les accusés, les voici. Ils appartiennent à la fondation Sayam. Devant la caméra, l'un des cadres veut nous montrer le sérieux et la discipline quasi militaire de son équipe. Difficile à croire, le chef des bénévoles ne porte pas d'uniforme et n'intervient pas en ambulance, mais en pick-up flambant neuf. Les histoires de tirs et de bagarres, ça existe vraiment, non ? Oui, il y en a, bien sûr. Je sais pas si c'est bien d'en parler. De toute façon, ce genre de bagarre, ça ne se terminera jamais. Ça devient des vengeances. Par exemple, lui, sa petite amie a reçu une balle. Il y a 3 ans, ce secouriste arrive sur un accident. Le ton monte avec des ambulanciers concurrents qui n'hésitent pas à sortir leurs armes. Ils ont eu peur que je sois venu pour voler leur victime. J'étais à moto, ma copine derrière. Ils m'ont tiré dessus, mais c'est ma copine qui a pris la balle. En jeu, toujours l'argent. Celui des dons, mais aussi celui des dessous de table versés par certains hôpitaux privés. Pour chaque accidenté amené aux urgences, le secouriste touche sa commission. L'hôpital facturera très cher les soins médicaux à l'assurance de la victime. Un véritable jackpot. Caméra cachée dans un hôpital privé connu pour ses pratiques. Ici, même au guichet d'admission, on reconnaît à demi-mot l'existence du système. On nous a dit que vous payez entre 7 et 12 euros selon la gravité de l'accidenté qui arrive chez vous. C'est vrai ? Si on vous l'a dit, ça doit être ça. Mais ça dépend de l'hôpital. En fait, c'est un accord entre les fondations et les hôpitaux. Adressez-vous plutôt aux fondations. Le secourisme, une activité décidément très rentable, d'autant que beaucoup de bénévoles sont en plus suspectés de dépouiller les blessés pendant le transport à l'hôpital. Retour avec notre ambulancier en pick-up. Branché sur la fréquence de la police, il vient de capter un appel d'urgence. C'est seulement sur place qu'il découvre la nature de l'intervention. Un piton de 2,50 m s'est introduit chez un particulier. Grimpe dans l'arbre en haut et attrape-le d'abord par la queue. Passez-moi un sac, il s'enroule le salaud. Un serpent, ça rapporte rien là. Non, là on touche rien. Sur cette intervention, son équipe a simplement gagné l'estime des habitants. Pour l'argent, pas d'inquiétude. Ils se rattraperont à la prochaine sortie.